Hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel et dernier épisode du Richissime Archéologue avec Iowa qui fait un peu la tête. Oui, dernier épisode, ça y est, ma décision a été prise. Je l'ai communiqué sur l'onglet communauté. Je vous invite à relire le texte si vous le voulez, puisque j'ai pris la décision de mettre en pause, en tout cas le Richissime Archéologue pour l'instant, puisque c'est un challenge qui ne m'inspire plus, dont je me plains depuis plusieurs semaines, puisque c'est long, je n'arrive pas à finir les collections, etc. etc. Et je me suis dit qu'arrêter au 50e épisode, c'était vraiment une très très bonne idée. Donc aujourd'hui sera le dernier épisode. L'aventure à Iowa ne se terminera pas pour autant sur la chaîne, puisque je pense continuer en parallèle à Iowa de temps en temps, je ne sais pas encore quand, en live sur Twitch pour qu'il termine son challenge que de toute façon je pense répertorier pour en best-of pour YouTube pour qu'il y ait une suite puisque en général quand je commence un challenge c'est pour le finir. Et également ben vous le savez, j'en ai déjà parlé, il y aura le bachelor avec lui et même si ce bachelor sera fait en live sur Twitch, il y aura des épisodes sur YouTube. Je pense que je ferai une sorte de best-of, je verrai si ça me prend plus ou moins longtemps. En tout cas, l'aventure à Iowa n'est pas finie. C'est juste que là, la semaine prochaine, par exemple, vous n'aurez pas d'épisode. Et je ne sais pas quand est-ce que vous le reverrez. Mais ce qui est sûr, c'est que vous le reverrez. Bon, mon biguet, de toute façon, comme il est 3h du matin, il te reste 4h de vacances. Pff, va dormir. C'est pas bien grave. On rentre à la maison après. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est pas grave. On s'en fout. De toute façon, on ne pourra pas refaire de temple d'ici là. Et voilà, on va donc rentrer à la maison, puisque les vacances sont officiellement terminées. Ben, c'est donc complètement en pleine neige que l'on retrouve la petite maison d'Aïwa. Sachez que de toute façon, il n'y a même pas son manoir qui est terminé. Donc, de toute façon, on ne rate rien. Et voilà, on ne rate rien. Première chose à faire. Alors attends, première chose, première ou deuxième chose. Tu vas payer tes factures de 28 000. Au moins ça se sera fait. Et on va aller regarder les fameuses reliques en or. Donc on avait déjà 3, il nous en manque 6. On en a chopé 2 encore. On en a chopé 2 dans ce dernier voyage. Je voudrais voir. Donc, Palampalso de la mort. Oh oui. Oh oui, c'est l'une qu'on a pas. Oh là 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 là, j'y croyais même pas. Et du Kao Totekeyama. Oh! Eh ben vous, franchement, vous croyez ou quoi? Je pensais pas du tout qu'on les aurait pas, celles-là. Bing pat! On a quand même avancé dans ce challenge, c'est pas pour autant que je vais le continuer, hein. Mais de 6 reliques à trouver, il nous en reste 4. 4, avec toujours un des calcaires à trouver, puisque on nous en manque toujours un, d'ailleurs, on en a 8. Tu vas extraire tout ça. Voilà, on en a chopé 8. Est-ce que par un miracle autre, nous allons avoir fini la collection? Je ne pense pas. Mais c'est incroyable. Je ne pensais pas du tout qu'on allait avoir les 2 reliques en or. C'était des reliques qu'on n'aurait pas. C'est une très 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 bonne nouvelle, ça. Bon, toujours avec ces reliques. Ne fais pas les... Non, mais c'est bon, t'as un homme de ménage qui va venir. Tu vas insérer un cristal. De toute façon, on en avait déjà préparé. Une Alexandrite raffinée pour le relique du chaos. Vas-y, vas-y, parce qu'il faut qu'on voit ce que ça donne et qu'on les teste. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que je lui avais refait un look à Iowa. Alors. Ok, ça c'est fait. Celle-ci, tu vas lui insérer. Alors. Un rubis. Allez, fais-toi plaisir. Et après, on va les tester. Tu viendras là pour qu'on puisse bien te voir. Et activer sur soi. Et trop ré... la... Le pouvoir de la relique est trop réduit. Ah ouais, on peut pas les tester. Pourquoi c'est trop réduit? Moi, pas comprendre. Bon, bah écoutez, normalement, on est censé les tester. Métamorphose squelettique de courte durée. Malédiction du mirage de nourriture. Donc oui, en fait, c'est ça. C'est exactement les mêmes pouvoirs que celle-ci qu'on a déjà, par exemple, mais en version or, quoi. Vous voyez que Totekeyama en KO, c'est celle-ci. Et c'est la même. C'est exactement la même.
Bon, bah c'est toujours sympa, moi je vais pas me plaindre, on a quand même chopé deux nouvelles reliques. Voilà, moi je suis très contente quand même pour ce dernier épisode. On va pas s'avouer vaincu, hein. On va pas s'avouer vaincu. Et vous inquiétez pas, tout ce qui. Iowa reviendra encore plus beau. Petit coup d'œil au calcaire, hein, il nous manque toujours un commun de chez Selvadurada. Bah tant pis. Et on va en profiter pendant qu'il travaille et qu'il découvre ces petites choses pour vendre. Ben, oh la vache, on en a combien? On en a combien? Parce que là, on va. Alors, vous voyez, on est déjà repassé à plus d'un million. J'ai vendu les fossiles, hein, les calcaires qu'on avait dont on avait besoin. On a déjà 1 372 000. Allez, c'est parti, on ajoute tout ça. 241 000 Simflouz, mais oui! Ah la vache, mais le mec est plein aux as quoi. Ouais, ça fait plaisir, hein, mais. Voilà, et en plus, si c'est une chose de plus pour la bénédiction mystique, c'est sympa. On va pas dire non. Et un petit masque authentique, on va en faire deux au musée. Parce que c'est pas comme si ça allait nous amener beaucoup d'argent. Ça va, niveau thunasse, il est bien. Mais il passe l'aspi, lui? Non, parce qu'en fait, hein, moi j'ai tenté dans notre Sauberie. Ma femme de ménage, elle est même pas rentrée dans la maison qu'elle avait rien fait. Dans mon legacy, j'ai un majordome, même pas il touche à la spie, ni aux poussières. Et lui, il le fait. Moi, pas comprendre. Alors, d'un jour à l'autre, ça change. Mais bon, tant mieux. Parce qu'en vrai, si on prend un homme de ménage ou un majordome, il doit faire ça, quoi. Voilà. Bon, au moins, il aspire. C'est bien. Oh, ben. Allez, tu vas me la mettre dans l'inventaire, celle-là, elle est pourrie. Tu vas authentifier un autre truc, voilà, un vase. Et puis, voilà, oh, une autre statue, comme ça. Ça l'occupe un petit peu, il n'est pas encore blasé de son retour de vacances. Donc on en profite qu'il puisse avancer là-dessus. C'est moi, vraiment, le truc qui m'embête dans ce challenge, c'est pas quand il a Salvadorada, ça passe, y a aucun souci. Ce qui m'emmerde, c'est vraiment les périodes en dehors de Salvadorada. Et comme c'est que ces 2 semaines, c'est très long, pour une semaine dans la jungle, ben c'est très chiant en fait. Et vlan! 62 000 Simflouz qui viennent de tomber, on est passé à 1 300 000. Ah, yo, ouais, je vais t'épouser, hein. On va s'acheter une belle maison. Ah, et on a de nouveau un problème avec les plantes. Qui sont soi-disant mourues, hein. Elles puent, quoi, mais elles sont pas forcément mortes. Hein. Je sais pas. Bon, pardon, mais monsieur Jaco, là, t'es coincé depuis combien de temps avec la spie? C'est propre, hein, t'inquiète. Hein. Et encore deux belles petites choses à faire don au musée, parce qu'elles sont authentiques. Voilà. Ah bah voilà. La poussière est arrivée à l'étage. Bon, Iowa, lui, n'est pas très adepte des petits lapins de poussière. Hein, donc, hop là, voilà, c'est parti. Et c'est pas plus mal. Bon, c'est pas encore trop crade, ça va. Alors, Iowa, que dis-tu de faire un petit tour en boîte de nuit? Alors, on est mardi soir. Elle a très froid ou elle est bleue de nature? Et tu vas venir là? Ah, je pense qu'elle a froid en fait, la pauvre, non? Elle me fait peur un peu. Bon, ben écoutez, on va s'enjailler un peu, hein, parce que bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant qu'on est coincé ici, en attendant de retourner à Selvadorada un jour, évidemment. Comme je vous expliquais en début de vidéo, ce sera pas tout de suite, hein. Et puis surtout, bah, vous le verrez pas. Allez, oh là là. Bon, il a l'air de kiffer quand même de bouger son boule, mais la musique a l'air à chier quand même. Hein, je vais pas. Voilà. Alors, elle est clairement pas en mode j'ai froid. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais depuis qu'on était à Six Sam, les aliens, ils ont trouvé le chemin de la Terre, ils ont fait des bébés partout. Hein, c'est pas possible. Regardez-le. Iowa à l'œuvre, il se dit, ah, une femme à la peau bleue. Faudrait que j'essaye. Alors, il va essayer. Voilà. Il va lui raconter des histoires. La faire rêver. Oh là 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 là, mais Iowa, rien ne t'arrête, hein. Rien ne t'arrête. Hein. Ah ouais, non, mais elle est déjà emballée, la petite. Hein. Ouais, vas-y, drogue là. Une fille à la peau bleue. Pourquoi pas? Par contre, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde ce qu'elle fait. C'est horrible. C'est très intenable à entendre. Hein.
Tu sais que ta peau me rappelle les cieux et l'eau de la mer dans laquelle j'aimerais plonger. Un monde derrière. Aïe, ouah, toujours en train de draguer. Bien sûr, toutes les candidatures pour le bachelor restent ouvertes. Hein, c'est votre simself. Alors vous pouvez... Bon, le mieux c'est qu'il vous ressemble plus quand même, physiquement et aussi sur les traits de caractère. À partager avec le hashtag IOWAN prend moi. Et puis je vous souhaiterais bonne chance, quoi. On verra bien comment se passera le bachelor. Bon, ce sera pas pour tout de suite, hein, évidemment. Mais que va faire petite Iowa avec cette dame bleue? Oh là là! C'est elle qui lui saute dessus. Hein. Vous êtes témoin. Ah, bon, ben voilà. Tout le reste, c'est classé X, là. On s'éloigne un petit peu. Hein. On va le laisser faire. Alors, ça avait l'air sympathique. Voilà. Eh ben, regardez. Ah, trop fatigant de soulever une demoiselle dans le placard. Non, mais Iowa, franchement. Ouais, oui. Va danser la simrumba, là, devant ce truc-là. Là, tu peux pas. Tu peux pas danser la simrumba? Bon, bah, tant pis. Et voilà, Iowa, il est chez lui. Et il va faire un gros dodo, hein, après avoir tiré un petit coup. Il faut bien qu'il se repose. Le petit pimpin de poussière est revenu! Iowa va lui marcher dessus. Ah oui, non, c'est là. Bon, c'est sûr que ça m'occuperait, hein, pendant ce temps-là de s'occuper de sa poussière, mais non, hein, on va pas le faire. Ah bah voilà, on a engagé un jardinier qui vient s'occuper des petites plantes. Oui, il peut les arroser. Iowa ne peut pas. Bon, tant mieux, hein. Et notre homme de ménage qui est là aussi. Ça va, il a de quoi faire. Bon, bah Iowa, faut faire un footing parce que qu'est-ce que tu veux faire? On se fait déjà chier avec toi. Je veux pas être méchante, mais je me fais déjà chier, moi, perso. Alors, un petit authentique que tu feras donc au musée, et puis la petite statue. Je sais pas pourquoi on a des sous comme ça qui s'accumulent. Est-ce que c'est à cause des poussières? Ah oui! On a deux lapins, là. Mais le mec, il est pas venu faire de la poussière en haut, là, mon homme de ménage. Comme s'il pouvait pas, quoi. En plus, il les aime pas, hein, les petits lapins, là. Hop là. Je préfère encore leur marcher dessus que les aspirer. Parce que les aspirer directement, je trouve ça affreux. Quack, quack. Oh, il est mignon. Ils sont gentils, lui, on vole pas. Bon, c'est tout poussiéreux, maintenant, chez lui. Va falloir acheter un truc automatique, je pense. Allez, encore un don en musée et ça à mettre dans l'inventaire. Au moins, pendant ce temps-là, moi, je me débarrasse de tous les trucs qu'il a récupérés. Une célébrité, une étoile, oh, pro. Qu'est-ce que tu es fort, tu es beau, tu es méga trop cool, Iowa. Ouais, bon, amuse-toi maintenant. Il s'est encore tapé un faux. Oh la vache. Pas de bol, hein. Voilà, encore un autre truc à donner au musée. Tu vas authentifier le dernier qui reste. Et est-ce qu'il te reste encore... bah non, après c'est tout. Ah bon, bah ok. Bon. Encore un faux. Pas de bol, hein, pour le coup, mon coco. Rien, c'est tout crade, par contre. C'est pas grave, tu vas venir manger. De toute façon, hein. Niveau collection, on a quand même eu des belles collections de finis. Il y en a juste deux qui veulent pas se finir complètement, mais c'est pas grave. S'il se met enfin à la tyrosémiophilie, peut-être qu'on y arrivera plus vite. On sait pas. Ouais, je pense que 3h du matin, c'est le bon moment pour aller dormir. Bon, il neige dehors, il neige aussi à l'intérieur des trucs de poussière. On verra. Si l'homme de ménage ne vient pas faire le ménage là-haut, ben, je lui installerai un aspirateur. Oui, j'ai compris. J'ai compris, je sais, j'ai remarqué. C'est ce que je disais, Iowa. Tu fais chier aussi. Petit lapin. On l'a trouvé. Vas-y, va lui marcher dessus. Oh, c'est trop chouchou. Oh, mais attendez, il y en a deux. Oh, les coquinous. Ils vont se reproduire comme des lapins. Des poussières. Allez, tu vas marcher sur les deux. Allez, monsieur l'homme de ménage, là. On va passer un peu l'aspi, hein. Il y a besoin. Yes! Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait chez moi, celle-ci? Vous pouvez partir, madame? J'ai entendu un lapin. Mais le mec, il vient de passer l'aspirateur, moi, pas comprendre. Mais oui, encore un lapin, là. Mais il a servi à rien, cet homme de ménage. Ah bah oui, hein. Elle est devenue des jeunes adultes, ta petite, hein.
Ça te dirait de venir voir ma petite relique hein, que je cache dans mon caleçon, ma petite? Ah oui, regardez, elle en peut déjà plus. C'est normal, c'est normal. Ça y est, voyons. Bon, bah alors. Encore une à ajouter à son tableau de chasse. Apparemment, la poussière peut handicaper certains Sims puisque la saleté casse l'ambiance. Tout semble un peu sale. Ce n'est pas comme ça d'habitude à des visiteurs lorsque la maison est sale ou dégoûtante. Ça va, hein? J'ai vu des baraques pires que ça quand même, hein? Allez, emmène ta conquête dans ce jacuzzi chauffé où elle pourra visiter ta relique et toi, visiter son temple. Attention, c'est parti, mon zizi! Ah là là, Iowa, bourreau des cœurs, séducteur de l'extrême. Alors, c'était bien? Oh, allez, mon petit. Oh la vache, comment c'est dégueulasse! Ah non, 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 non! Mais comment ça se fait que ça soit dégueulasse comme ça? Mais le mec, l'homme de ménage, il a rien glandé, sa mère! Ça ne vaut pas du tout, cette histoire. Un épisode d'Iowa. Sans danse d'Iowa n'est pas vraiment un épisode d'Iowa. Et pour ce dernier, Iowa en petit maillot qui bouge son corps, ses muscles et tout ce qu'il possède au son de la Simrumba. Ah, qu'il est beau! C'est mon petit cadeau pour vous! Évidemment, je vous demanderai de, comme d'habitude, commenter, liker, partager la chaîne pour me soutenir. Et on retrouvera Ewa dans le futur, en live et en best-of sur YouTube. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette expérience, ce challenge, qui fut long. On a rigolé, quand même. On s'est bien amusé. Mais la longueur. La longueur m'aura fait flancher. Plusieurs générations ne me dérangent pas, mais là, un seul Sims, c'était trop. J'aurais peut-être dû prévoir autrement. Du coup, moi, je vous fais des très très gros bisous. Et je vous laisse avec Iowa, qui se déchaîne. Et on se retrouve très bientôt sur d'autres vidéos sur ma chaîne, ou en live sur Twitch. Ciao!